Les déconfinés des Glingos, vendredi 19 février. Ça n'arrête pas de tomber. Revelation. Révélation. C'est pas vous qui choisissez. Vous êtes peut-être dégoûté. Ouais. Après, vous vous posez des questions, savoir si c'est vrai ou pas. C'est même pas ça, il se passe quelque chose. On pourra jamais forcément savoir si c'est vrai ou pas. Ça se passe dans des familles. Déjà, peut-être en parler en famille. Sinon, ça se passe. Il faut bien que ça se passe. Et finalement, peut-être un signe intéressant de choses qui évoluent. Il ne s'agit pas de recommencer les mêmes erreurs. On est quand même des êtres humains, on évolue. Notre principale qualité, c'est de savoir s'adapter. Donc, nous nous adaptons, et le mieux, c'est nous évoluons. Et c'est important de le faire, quoi. Vraiment. Logiquement, on va continuer. Et dans le bon sens, alors, accrochez-vous, parce que finalement, les révélations ne font que commencer. Et vous risquez d'être très perturbé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. On sait lire, mais on n'a pas forcément la capacité de tout lire. Il y a tellement de choses qui tombent. Et c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est de la fake news. Justement. Voilà, on parle de fuite, beaucoup plus de propositions de documents, souvent déclassifiées. Pas que. Mais bon, ça va mettre du temps avant de tout trier. Donc, trier, enfin, consulter, savoir un petit peu si... Après... Même si c'est pas vrai, quoi. Même si c'est de la fake news, savoir un petit peu qui a fait quoi, qui a écrit quoi, pourquoi, enfin, prendre la bonne direction pour comprendre finalement qu'on est sur la bonne piste. Allez, 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 piste. Allez, à bientôt. Oh, oh, oh.